Bonjour mon ami, nous sommes nous contents pour nous capables avec un moment ça, mais dans un qui est bien spécial. Nous avons averti que nous avons une étude que nous avons fini avec lui qui c'est le règne de Dieu dans le temps de l'homme. À travers le sabbat, nous allons remarquer ensemble et bien côté bon Dieu prouvé et nous-mêmes en tant que chrétiens nous capables et bien assister et balayer tout respect que les gagnent. Mais avant de dire quoi que ce soit, enfermez nous pour la prière. Céleste Père béni, nous exaltons. Merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel. N'apprends nous souple capable de pardonner péché nous et puis de nous. Nous prions comme ça dans notre Jésus. Amen. Mon ami, à plusieurs reprises, dans plusieurs conditions, nous avons contesté le sabbat. Nous connaissons l'habitude d'une manière habituelle. Le parler de l'adventiste ou parler du sabbat, il a toujours dit que c'est pour le peuple juif, il a toujours rejeté ça. Et même là, tout noir sur blanc, pas rien pour force suspendre, prêcher vérité ça, le sabbat de l'éternel. Pas jamais quitter un lien ta méthode en situation pour tout pas prêcher, parce que c'est une vérité qui est plus fondamentale que la Bible gagne par rapport avec tout reste événement qui a rapport avec le salut de l'homme. Le sabbat est en quelque sorte très important. Nous parlons ça. Mais dans la première vidéo, ça, nous parlons ensemble, eh bien, trois éléments que bon Dieu a existence qui prouvait que c'est seulement lui-même qui est capable, Dieu, pas bien l'autre être suprême que lui-même. Trois éléments fondamentaux. Trois éléments, ça y est, en anglais, c'est ti. Ti qui se signifie T. Ti. T-E-A. T-E-A. Trois éléments, ça y est, sigla c'est ti. T-E-A. T-A pour temps. T a pour temps et E a pour espace, E a pour espace, A pour atome. Trois éléments ça yo, c'est trois éléments qui prouvent nous noir sur blanc que bon Dieu pas gagné un être qui plus que lui-même. Et c'est à travers trois éléments ça yo, le monde, notre monde, eh bien, il fonctionne. Notre monde a besoin du temps, un temps, bien que son temps capable de limiter. Parce que notre temps est limité, nous sommes capables de remarquer dans une limite qui est très simple. L'homme prend un jour qui dure 24 heures. Okay? Il commence dans une seconde, certes, mais il finit dans une seconde. Il commence dans une seconde. Et puis, pour faire une minute, heure. Après ça, pour finir dans une seconde. Donc, jour, nous commençons l'heure et finissons l'heure. Donc, nous avons besoin du temps pour calculer les jours, de l'espace pour vivre et de l'atome qui est. Qui constituait tout ça que nous avons gardé. Donc, les hommes scientifiques ont fait des recherches. Et toutes recherches que ils ont fait, ils ont fini par remarquer que l'atome a toute forme de dimension que lié. Toute forme de dimension. L'on prend poussière terre là. L'on prend bois qui tombe, il fait fumier, il fait poudre, il finit. Ou pour un monde qui mourit, il retourne côté, il sèche, il fait poudre, il retourne. Donc, tout ça qui existe, il retourne dans la poussière là naturellement. Parce que, bon, Dieu t'a dit, de la terre, tout ça nous est absorbé de l'existence selon Genèse. Le livre de Genèse, et, bon, Dieu pourra le faire nous, noir sur blanc, que c'est lui-même qui fait toute bagaille. Et c'est lui-même qui dit toute bagaille, qui même qui fait toute bagaille, à venir à l'existence. Donc que la terre capable produit et des fruits, que la mer capable venir avec normalement bêtes pour nous manger. Donc nous ça c'est la matière. Donc matière là il y a diverses dimensions que la donne. L'on prend miroir qui sont matière, l'on prend ciment qui fait caille qui sont matière, tout ça il y a un composant en matière. Donc qui c'est atome. Espace là c'est exactement sur face côté ou à vivre là sur face côté moi-même avant mari ou madame mon petit ouillé et temps c'est exactement ça qui contrôle nombre de minutes nombre d'heures d'activité nombre de minutes nombre d'heures d'activité et c'est à travers le temps nous pourrons joindre le passé le présent et futur
Donc tant bas nous comme ça et espace là tout nous espace là modifié par le temps. Donc l'espace là modifié par le temps à travers la civilisation. Donc civilisation c'est le même qui mobile de la transformation de l'espace. Donc nous capable remarquer qu'il y a une période de temps les hommes c'est qu'on couvre caillou avec petit paille etc. pour être capable dormi, mais je dis à là, l'homme couvre caillou avec béton et avec tôle, et d'un côté c'est vitre, ou abjoint normalement, c'est vitre. Donc évolution, hein, mais c'est toujours même couvre caillou. Donc espace là modifié. Et atome aussi modifié, parce qu'auparavant, dans le temps de David, c'était chat, mon te kon gen, pour être capable de courir, chat, qui kon cheval, cap courir en présence li, cap courir dans l'autre là, mais je dis à c'est pas ça, je dis à nous gen avion, nous gen sous-marin. Well, et monsieur a travaillé dans un niveau scientifique pour capable rendre un matériel transparent. Mais rendre un matériel, une matière, rendre trans, comme si pour l'opérer sous lui pour parler. Donc les hommes arrivent loin. Maintenant, c'est une discussion comme ça. Bon Dieu t'a pour répondre avec Job pour lui faire Job comprendre un bagage. Et ça pour le servir nous comme réponse fondamentale qui gagnait à premier parcours. Lecture biblique que nous capable faire mais nous pas n'a dit ou bien nous pas prendre tout verset yo qui c'est Job 38 on va lire tout verset mais n'a pas le quelques versets côté rivé n'a rivé et on va noter côté rivé nous pas prendre lire en pile verset. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: qui est celui qui obscurcit aussi mes desseins par des discours sans intelligence, s'interrompt comme un vaillant homme? Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Mes premières questions, bon Dieu posé. Pour un monde qui t'a dit, est-ce que c'est bon Dieu qui fait ciel la terre? Oui, c'est bon Dieu qui fait. Où étais-tu? Qui côté m'a fait? Et qui côté elle m'a fait? Et le regard est vrai, côté sabbat lui-même, il n'y a réponse là. Parce que c'est sabbat, c'est dans sabbat, et réponse ça, pral bay. Le nous dit réponse là pour le bail dans logique sabbat c'est là on regarder dans Genèse 1er ouais Genèse 1er il relater tout fait créationnel là mais dans Exode 20 verset 8 à 11 dans Exode 20 verset 8 à 11 il expliquait quelque chose qui pouvait un bagage qui clair et net. Verset 8 à 11 dit: souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais logique là, c'est que Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Donc à travers le sabbat, nous remarquons que bon Dieu pouvait la possession de la création, du temps, de l'espace et de l'atome. Il pouvait que c'est pour lui que y ait et il recommandait pour nous le sabbat. Donc en adoration, nous exaltons Dieu pour ses merveilles créationnelles. Nous exaltons Dieu pour ses miracles, pour ses chefs-d'œuvre inexplicites. À travers, pendant jour création ça, mais ça fait pendant jour sabbat ça, et ça fait besoin de bien comprendre ça. Durant la semaine, nous travaillons. Nous n'aurons pas de temps à louer Dieu, à prendre du temps pour exalter Dieu dans sa splendeur. Mais dans le Saint Sabbat de l'Éternel, nous raisonnons sur la création, nous raisonnons sur les bienfaits de Dieu, nous raisonnons sur son amour infini, et nous allons examiner en quelque sorte la beauté de la création. Donc sabbat, bam temps. Attendez bien. Lorsqu'on travaille pendant la semaine, on travaille pour capable construire la vie ou pour capable vivre. Mais le sabbat, quand il arrive, vous avez du temps. Maintenant, temps où tu gagnes durant la semaine pour tes travail là, devient différent de temps où tu gagnes dans le sabbat. Temps où tu gagnes dans la semaine, c'est ton temps qui est non logique, salarié, qui est salaire sur lui, ou travaille en côté au bon salaire là. Ou capable de fonctionner avec salaire ça. Mais pour le sabbat, ou reposer. Maintenant, votre salaire, c'est la bénédiction. Salaire, ça, c'est une bénédiction. C'est dans le jour ça, tant ça, 24 heures de temps ça,
ou pral comprendre l'amour et l'importance du temps. Comme si tout temps ou te gen ou ta vivio, c'est jour ça ou printemps ou fait plus bon travail là avec là. Maintenant comment bon Dieu régner dans temps ça? Mais bon Dieu régner dans temps dans sens ça, bon Dieu régner dans temps pour prouver que c'est lui qui mérite adoration. C'est-à-dire à travers le sabbat, nous voyons que bon Dieu régne dans le temps. Parce que nous avons 52 sabbats pour adorer Dieu dans une année. Nous avons d'autres jours où nous pouvons adorer Dieu. Mais le temps, bon Dieu, le temps que Dieu a pris pour créer l'espace et l'atome, et le temps que Dieu a pris pour donner naissance à tout, avec toutes ces choses, nous venons comprendre que bon Dieu est important dans la vie. Donc, sabbat, c'est 24 heures. Sabbat, c'est 24 heures que lié. Maintenant, l'adoration de Dieu dans ces 24 heures, lui prouvait que bon Dieu régnait dans le temps de l'homme. Comment bon Dieu régnait dans le temps de l'homme? C'est parce que l'homme fin posé pendant 7 jours. Et pendant l'homme fin reposé, l'homme fin travail, je m'excuse, pendant 7 jours. L'homme fin travail pendant 7 jours. Dans la fin de la semaine, le 7e jour, maintenant, Dieu a pris ce temps pour adorer Dieu. Pour faire le règne de Dieu, pour élever en termes de mémorial, eh bien, la grandeur de Dieu dans le temps de l'homme. Maintenant, on a regardé bien en logique de parallèle. Qui ça, bon Dieu dit? Bon Dieu dit, après lui-même, pas doué gen l'autre Dieu, selon Exode 1er, selon Exode 20, verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Si nous pas de gen l'autre Dieu devant face li, qui ça d'après nous qui ça le mettait en phase qui fait le pas de dire ça, nous pral courir ban toute réponse, mais une seule réponse qui est important que m'a prend pour nous, c'est temps. Piga nous accorder temps avec yon l'autre être pour nous adorer, n'a fait bon Dieu jaloux et n'a regardé vrai tout ça bon Dieu pas vle dans tout ça n'a fait piga nous accorder temps à yon l'autre être pour nous adorer. Et c'est ça qui fait bon Dieu jaloux, et c'est ça bon Dieu pas vle, et c'est ça nous ouais qui en quelque sorte l'aspect fondamental de l'adoration, avoir du temps. Il faut avoir du temps pour adorer Dieu. Donc le sabbat, il prouvait que bon Dieu régnait dans le temps. Comment bon Dieu régnait dans le temps? C'est parce que premièrement bon Dieu pas vle me prend temps pour m'adorer l'autre être avec elle. Li pa vle me prend temps pour me faire pécher, li pa vle me prend temps pour me faire rien qui mal. Faudrait-il que toujours pour me faire du bien avec le temps? Faudrait-il que me forme faire du bien avec le temps? Si moi dois faire du bien avec le temps et dans le temps m'a exalté, donc bon Dieu régner dans le temps. Et le chrétien choisi fait ça, eh bien bon Dieu prend plaisir. On a regardé un verset qui soutenu et très bien ça nous dit ça, qui c'est Ésaïe 58, le verset 13. Où Dieu combat pour le temps. Dieu mène une bataille pour le temps. Qui ça le dit? Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en bon Saint-Jour. Regarde. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en bon Saint-Jour. C'est-à-dire, si le 24 temps s'arrive, ou fait exactement tout ça bon Dieu dit, c'est-à-dire, ou quitte le régner. Ou quitter le régner Jean que le vleya, la va content, la va prendre plaisir et ou même la va bénir. Maintenant, mon frère, maintenant, ma soeur, m'ta vlo comprendre yon bagay. M'ta vlo saisir ça et m'ta vle ou bay ça yon logique pour moi, yon logique qui paraît simple. Parce que ça, par yon bataille la donne. Comment bon Dieu régner dans le temps de l'homme? Ça t'a mandé, en quelque sorte, pour nous ta oué, qui sa règne signifie. Pas vrai? Règne, qui ça signifie? Et à travers mon définition règne, nous pourrons plus ou moins comprendre quelque chose qui est simple. Premièrement, nous sommes capables de prendre un exemple de reine Elisabeth. Je dis non, par exemple, Elisabeth, elle régnait. L'œil du elle régnait, c'est-à-dire, elle même avec conseil, c'est elle-même qui planifiait, eh bien, un ensemble de choses dans une période côté la vivre là. Par exemple, règne, c'est exactement exercice du pouvoir souverain dans un état monarchique. Donc,
pas de discussion dans ça. L'aime dit au monde régner, moi dit pouvoir passer. L'aime dit au monde régner, moi dit salve à c'est lui-même qui fait. Qui ça verset 58 là, verset 13 là dit dans Isaïe 58. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour. Puis quoi faire volonté pas ou nan jou pas m'nan. Donc bon Dieu dou, bon, comme si bon Dieu discuter avec l'homme pour yo reconnaître que c'est volonté pâle qui doit passer dans jour ça. Tenez bien oui, pour autant dans tout l'autre jour yo, li pas mener combat, li besoin pour respecter, li besoin pour pas pécher, mais li pas mander, il pas mander effort ça. Mais pour autant le sabbat arrivé, li mande pour faire ça. Pigo vin fait sorli dans temps pâle là. Donc li mande pour reconnaître règne, li mande pour reconnaître autorité. Et gardez qui ça le dit. Pour ne pas faire ta volonté mon Saint-Jour, si tu fais du sabbat un délice pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, comme si pour adorer, pour mettre en l'air, pour mettre le niveau extraordinaire, comme si pour reconnaître que c'est lui-même qui est Dieu, pour honorer l'Éternel. Regardez bien qui ça le dit, en continue bien, dans continue de dire, si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à des vains discours. Donc ouais là bon Dieu bon discussion l'a fait dans temps. Bon Dieu pas voulu pour passer une seconde en dehors de volonté de salver. Est-ce que bon Dieu pas régné là? Bon Dieu régné. S'il a discuté une minute avant, s'il a discuté une seconde avant, s'il a discuté des heures de temps avant, donc l'étoile que pourrait connaître règne. Donc le sabbat fait me connaître que bon Dieu régné dans le temps. Et s'il règne dans le temps, gon l'autre bagan comme besoin. M'a besoin espace pour m'adorer. Yon l'église 3 4 mètres, 12 mètres, 15 mètres, m'pa konnen, même besoin l'église, c'est pas seulement moi-même, nous capable 8 moun, nous capable 800 moun, nous capable 1000 moun, nous capable 3000 moun, mais nous besoin yon milieu pour nous adorer. Et qui est-ce qui va l'adorer? C'est atome moi-même qui être vivant qui capable sauver pour le temps et pour l'éternité. Qui pral utiliser d'autres atomes pour qui fait une construction qui pour dresser un édifice. Mais des deux logiques, les entrer dans la Bible, nous, ouais, eh bien, la Bible dit nous, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, c'est ça la Bible dit, oui. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit selon 1 Corinthiens 6, le verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ça veut dire, sabbat fait me comprendre que mon Dieu est régné dans moi-même. Si ma baye mon Dieu adoration, il dit pour ne pas faire volonté n'importe façon que je veux. Est-ce que c'est pas lui-même qui roi? Oui, c'est lui-même qui roi. Donc mon Dieu est régné dans la vie. À travers sabbat, moi ouais que mon Dieu créé le ciel, la terre et toutes choses selon Job 38, même là nous pas fini de tout verset, n'a ou même ou capable l'île capable faire lecture. Et selon Exode 8 verset Exode 20 verset 8 à 11, nous est noir sur blanc, nous est raison qui fait bon Dieu et bien lui reposer, c'est parce que lui-même lui besoin pour heure de temps par la consacrer à lui-même. Et à travers Ésaïe 58 verset 8 à 13, l'Éternel discuter seconde, minute et heure yo, dit tu as que pour lui-même lui régner. L'étion à ce que lui-même s'est salvé pour faire. Donc, on finit par comprendre que c'est sabbat l'éternel là, le problème, le règne de Dieu dans le temps de l'homme. Donc, bon Dieu régnait dans le temps. Bon Dieu besoin du temps pour nous adorer, pour nous reconnaître que c'est lui-même qui roi. Et il n'est pas d'accord pour nous aller dans l'autre Dieu selon Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pas prendre temps pour adorer l'autre Dieu. Donc, moi comprendre et me capable satisfaire désir ça. Donc, l'Éternel règne ou peut-être le règne de Dieu dans le temps de l'homme à travers le sabbat me comprendre noir sur blanc que bon Dieu pas discuter ça avec moi. Ni pas chambre d'accord pour m'adorer l'autre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et pour nous le septième jour pour l'adorer en esprit et en vérité dans un milieu, certes à l'église, mais dans mon corps aussi.
dans mon corps et aussi et dans mon esprit. Donc moi je sens me content pour me présenter étude là dans niveau ça. Et me surtout capable toujours jouer l'autre verset pour qui appuyer, mais nous seulement pour résumer ces versets ça pour nous faire comprendre que bon Dieu, il a besoin du temps pour adorer. Il pas d'accord pour adorer l'autre Dieu que lui-même seulement. Donc l'Éternel règne dans notre temps. Que le Seigneur vous bénisse. En fait, mes genoux pour nous prier. Céleste Père, merci parce que vous pouvez nous noir sur blanc que vous régnez dans temps noir. Ou besoin ou mandé nous pour nous prendre temps ça pour nous adorer ou avec lui puis qu'à nous bailler l'autre lui. Alors n'a mandé souple tandis que nous pardonner péché nous prions comme ça dans Jésus. Amen. Nous bon rendez-vous pour prochaine vidéo.